Mesdames et messieurs, bonsoir à vous tous. Nous tenons à vous remercier d'avoir répondu à nos invitations. Ce soir est un jour spécial. C'est un concert dans l'église de Tournay-sur-Dives en hommage de la Réunionnais. Nous avons organisé ce concert. Nous avons fait appel à l'écho de train qui est déjà chanté l'an dernier lors de l'inauguration du bus de la Réunionnais. C'est avec grand plaisir que je les remercie de leur participation. Ce soir, le concert se déroulera en deux parties. Durant l'entracte, une corbeille passera. Tous les bénéfices de ce concert iront à l'association de la sauvegarde de l'église de Tournay-sur-Dives. Ce que vous allez entendre maintenant n'est pas dans le programme. Après réflexion et entre autres avec Michel Lefebvre, le roi des âmes, nous avons décidé de vous l'interpréter. Parce que sans remettre en cause la bravoure des combattants et leur conviction, ce chant souligne au contraire l'incohérence des guerres et sa condamnation. Écrit par Boris Vian, chanté par Mounji, puis Richani, voici le déserteur avec en introduction le dormeur du Val, poème d'Arthur Rimbaud, interprété par Jean Guéant. Merci. C'est un trop de verdure au chant d'une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière. C'est un petit bal qui mousse dorément. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu dort. Il est étendu dans l'herbe sous la lune, pâle dans son hiver où la lumière bleue. Les pieds dans les bagueules, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. Réalisé en 1955, le célèbre film d'Alain Resnais, Nuit et brouillard, est resté le documentaire de référence sur la déportation. Jean Ferrat lève la voix en 1963 sur l'album appelé lui aussi Nuit et brouillard et appelle au devoir de mémoire. Celle de son père, juif émigré de Russie, mort à Auschwitz, et de tous les autres, hommes, femmes, enfants, vieillards, juifs, pour qui l'humanité s'est arrêtée aux portes d'Auschwitz, de Birkenau, de Dachau ou encore de Buchenwald. Je sais qu'on ne sait jamais.